sont formidables. Je ne connais pas mal de visages. J'ai envie de vous dire que vous êtes beau, que vous êtes rasé. Vous n'avez pas changé. En parlant de changer, j'en connais un qui a bien changé. C'est mon pote, mon petit gars. Lui, a 3 ans et demi passé. Et là, c'est la période terrible. Il fait que de tchatcher du matin au soir. Et papa, pourquoi ça? Et papa, pourquoi si? Et pourquoi tu vas là-bas? Et pourquoi là? Et pourquoi c'est bleu? Mais pourquoi tu vas à Melun? Oh, lui, il a l'accent bien prononcé, il dit Melun. Papa, pourquoi tu vas à Melun? Et je lui dis, ben écoute, je vais faire la fête avec les copains. Là-bas. Et avec les copines aussi. Et là, il m'a dit, ben écoute, moi je les connais pas, mais tu les embrasseras tous pour moi, d'accord? Donc on va aller faire un petit cadeau. Tu n'as pas le droit de les casser. Ces soldats-là veillent sur toi. Et je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. Et je te vois comme un grand guerrier qui rit en s'éclat devant toute une armée. J'ai pas vraiment le temps de corriger tes je serai là pour gommer.